Nous sommes en direct live avec Frédéric Ribera, organisateur. On connaissait bien sûr Vincent Ribera, l'organisateur qui est, on va pas le présenter parce que c'est une star, on va dire, à Palavas, mais pas que à Palavas. Hein. Il y en a des arènes hein, qu'il faut meubler, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui est avec nous pour nous parler de la 25e Feria d'automne. J'ai bien dit la 25e. C'est vraiment alors, une animation et un événement récurrent. Il est là pour nous en parler, pour nous présenter le programme. Alors, le programme, il est quand même riche et copieux. Donc, on va évoquer un petit peu ce programme-là parce qu'on n'a pas toute une heure pour faire, parce qu'on aurait pu faire une émission toute une heure hein, sur la Feria d'automne, mais ce n'est pas le cas. Frédéric, alors je l'ai dit, nouveau venu dans cette orgue de Ribera organisation. J'ai appris que tu prenais en charge maintenant un peu la communication, si j'ai bien compris. Exactement. Donc maintenant, ça fait depuis quelques temps qu'on travaille avec Vincent, donc mon papa, sur les différents projets que nous avons tout au long de l'année, notamment sur la Feria d'automne, qui est cette année la 25e Feria d'automne. Donc ça a commencé, j'étais encore pas né, ouais, mais j'ai eu la chance justement, donc au fil des années, de la voir évoluer cette Feria. Et cette année, effectivement, on a un programme qui est riche. On essaye toujours de mettre tradition française, camarguaise, mais également espagnole dans nos programmes. On commencera notamment le vendredi 20 septembre à 17h avec une capea pour mettre en avant la tauromachie espagnole. Et ensuite, ce sera un week-end un peu plus camargué avec notamment une ferrade sur la plage samedi matin et la bribado des plages qui est attendue par de nombreuses personnes. Avec 12 manades, donc c'est dimanche 11 septembre, dimanche 22 septembre, pardon, à 11h, avec donc 12 manades. C'est l'événement un peu incontournable de cette 25e Feria d'automne. Oui, alors, et je suppose que justement, tu l'as dit, 11 ou 12 manades, je ne sais plus ce que tu as dit, pardon. 12 manades, exactement. 12 manades, ça représente je ne sais pas combien de taureaux. Là aussi, en termes de sécurité, c'est, je pense, monumental à mettre en place. Exactement, on a la chance d'avoir les services de la ville qui sont là justement pour épauler cette manifestation qui est riche et intense. La prudence fait partie de cette manifestation. Il est très important de prendre en compte les dangers et de se tenir toujours derrière les barrières de sécurité parce que ça représente 48 euros quand même et des centaines de chevaux qui vont justement participer à cette manifestation. Donc, on appelle aux personnes qui vont venir lors de cette manifestation à être prudents. Alors, bien sûr, est-ce que tu pourrais dire que c'est le moment le plus spectaculaire, le moment à ne pas manquer ? Exactement, c'est le moment phare donc, de cette Feria d'automne qui, donc, le dimanche 22 septembre, commence justement par cette abrivade des plages et se termine avec le trophée Albert Dubout, donc la finale du trophée Albert Dubout, donc une course camarguaise comptant pour le trophée des As, avec les meilleurs raseteurs du moment, les meilleurs taureaux du moment. Donc, justement, pour faire la cohésion entre la matinée et cette course camarguaise, il y a notamment le 24e tournoi de joute intermanade. Donc, c'est important pour nous de faire participer les manades du matin à un tournoi de joute l'après-midi qui reste quand même les joutes quelque chose de traditionnel pour la commune de Palavas. Donc c'est important justement de mettre en avant aussi bien les traditions taurines que les traditions justement qui sont propres à la commune de Palavas et à la région du Sud. Je rappelle que ça commence non pas le samedi, ça commence le vendredi, samedi et dimanche. On va dire que c'est Palavas en fête, je crois qu'on peut le dire, parce qu'il y a des animations un petit peu partout. Mais là, c'est vraiment, si vous aimez l'ambiance camarguaise, si vous aimez l'ambiance aussi espagnole. On disait la 25e Feria d'automne. Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une Feria, parce que c'est la 25e, est-ce qu'on est obligé dans une programmation qui peut être un petit peu stéréotypée, est-ce qu'on essaye d'aller chercher de la nouveauté ? Bien sûr, on essaye chaque année d'amener un petit peu de nouveauté, que ce soit au niveau des animations de groupes musicaux qui vont avoir lieu donc sur les quais, à côté de la mairie, à côté de l'église également, justement amener de la nouveauté dans ces animations musicales. Mais aussi des nouveautés en termes de courses camarguaises avec des plateaux
des fois différents comparés aux années précédentes avec des taureaux différents. Mais voilà, c'est important pour nous quand même de rester sur cette base initiale qui fait que la feria d'automne est connue et fait le succès. Donc il faut savoir rester dans les lignes, mais amener de la nouveauté pour justement plaire à tous. Eh oui. Alors, on a perdu. J'ai perdu Frédéric. On va peut-être le retrouver. Je ne sais pas si Frédéric, tu m'entends. Reclique sur le lien. Non, là, je vois qu'il clique sur le micro, la caméra. Non, tu peux. Ah, tu es revenu, Frédéric. Est-ce que tu m'entends? Alors, on a retrouvé Frédéric. Est-ce que tu m'entends, Frédéric, ou pas? Ou ça, la machine a été complètement déréglée, peut-être. Frédéric. Est-ce que tu m'entends? Alors, on a perdu peut-être Frédéric. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. Frédéric, si tu m'entends, tu peux reprendre la parole, il n'y a aucun souci. Moi, je ne t'entends pas. Alors, j'essaye de communiquer avec Frédéric. Sinon, si tu m'entends, Frédéric, tu peux quitter le lien et tu recliques sur le lien pour revenir et pour tout se remettre bien comme il faut. Voilà, je vais un petit peu meubler en attendant. Donc, je vous rappelle que ça commence vendredi, samedi, dimanche. Ça va se passer aux arènes, bien sûr, de Palavas. Vous ne pouvez pas vous tromper hein, lorsque vous arrivez dans Palavas. Bah, vous avez la salle bleue. Je vous conseille d'ailleurs de vous garer sur un grand parking gratuit qui est juste derrière la salle bleue pour pouvoir profiter. Alors, il risque d'y avoir du monde. Donc, n'hésitez pas à prendre le vélo si vous le souhaité. Alors Frédéric ne revient pas avec nous. Si, ah, il va revenir. On va peut-être le voir apparaître dans quelques instants. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Je vous entends, vous aussi. Oui, voilà, c'est parfait. Donc j'ai un petit peu meublé, hein, donc j'ai précisé où ça se situait, bien sûr, aux arènes de Palavas. Et puis après, tu l'as dit, la ferrade sur la plage, c'est vraiment sur la plage, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il y aura des tonnes de monde. Et c'est ça qui est absolument génial et ce qui fait le plaisir. Est-ce qu'il y a des choses payantes ou des choses gratuites? C'est important pour les gens. Alors, il y a des événements gratuits, donc tout ce qui est manifestation sur la plage, mais également sur le quai avec les différents groupes de musique. Il y a une manifestation gratuite, donc la course camarguaise des écoles de raseteurs qui a lieu vendredi 20 septembre à 18h, donc l'entrée est gratuite. Et ensuite, les animations telles que la course de Tao avec 8 manades, la course comptant pour le trophée des As, mais également la KPA du vendredi soir. Reste des événements payants. D'accord, mais qui reste très abordable pour. Il reste très abordable pour venir découvrir justement les traditions camarguaises et espagnoles qui nous sont chères. Oui, je vois par exemple une KPA vendredi à 17h, tarif 5 euros. Donc c'est vraiment Exactement. très C'est accessible vraiment à très tous. abordable. Eh ouais. C'est ça. Et c'est ce qui fait la force de Ribera Organisation, je le répète, avec toujours des tarifs basés au plus juste et pour tout, ben, parce qu'ils font aussi plein de spectacles. On aura peut-être la chance de retrouver notre ami Frédéric sur toute la programmation qu'il y a sur ces arènes, parce que c'est spectaculaire. On vous rappelle, c'est ce week-end à Palavas-les-Flots. N'hésitez pas, vous pouvez y aller en tram, en bus, en vélo, en voiture. Il y a des parkings gratuits, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est un rendez-vous à pas manquer. Vendredi, samedi et dimanche. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez faire gagner un reportage avec une équipe de télé directement sur place pour vous ramener quelques belles images et monter un reportage qu'on offrira bien sûr à Frédéric pour le remercier, il vous suffit de taper le chiffre en haut à droite que vous voyez apparaître en haut de votre écran, le chiffre 3. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous, passez une bonne fin de journée et en espérant vous retrouver très nombreux lors de cette 25e feria d'automne qui aura lieu ce week-end à partir de 17h dans nos arènes de Palavas.